Du système solaire, une vieille planète tourne à l'envers, protégée par ses anneaux périphériques. Un jour Saturne crèvera de son trafic. On l'appelle aussi la ville lumière, parce que les sans défense sur leur trottoir, grâce à leur réverbère de chevet, peuvent bouquiner pour s'endormir. Super. Il y a même une fusée en métal rouillé, mais elle a pas de moteur et pourra jamais décoller de Saturne. On est coincé. Les Saturniens rêvent de campagne, de côte d'azur. Pourquoi respirer plus longtemps l'hydrocarbure? Provoque les provinciaux qui se marrent, qui s'étonnent. Alimentaire, mon cher Watson. Saturne manque pas d'idées pour torturer les clodos. Ils ont même inventé un nouveau banc de métro qui les empêche, quel progrès, de s'allonger. Mais le ventre de la ville va bientôt les digérer. Il y a même une fusée en métal rouillé, mais elle a pas de moteur et pourra jamais décoller de Saturne. Gavroche habite Belleville, il a 8 ans, il est malien. Les Thénardier de l'hôtel de ville veulent l'expulser, lui et les siens. Je suis tombé par terre, c'est la faute au maire. La gueule dans le ruisseau, la faute au proprio. On a inventé un nouveau vocabulaire quand un désespéré se fout en l'air. Pour pas dire suicidé ou un malheureux plus en moins, on dit un incident sur la ligne D du RER. Comme on peut lire sur les vitrines des magasins, à louer, à vendre, livraison gratuite, satisfait ou remboursé, deux pour le prix d'un. Tout doit disparaître, tout doit disparaître, tout doit disparaître. Il y a même une fusée en métal rouillé, mais elle a pas de moteur et pourra jamais décoller de Saturne. On est coincé. Paris, capitale politique et intellectuelle de la France, siège du gouvernement et des grandes administrations. C'est aussi le premier centre commercial du pays. Grâce à l'importance du marché de consommation, à la concentration des capitaux et à ses exclus qui crèvent sur le trottoir et dans le métro. Bienvenue sur Saturne.